Alors, euh, salut tout le monde. Bon matin, bon matin à toutes et à tous. Bon retour aussi euh, de votre semaine de congé. J'espère que ça vous a fait du bien prêt à attaquer la, la deuxième et dernière moitié de la session. Donc, pour ce qui est de notre cours de, de fiscalité, euh, on va reproduire en deuxième partie de, de session exactement la même chose qui a été fait en première moitié de session. Donc, on va avoir cinq semaines de contenu. On va passer à travers les sujets euh, 4, 5, 6, 7, là, mais il y a des très petits sujets là-dedans. Là, il y a deux gros sujets, c'est 4 et 6. Mais bref, on va se rendre jusqu'à la, à la fin des sujets. Puis, le, tous les travaux, les, les examens ne sont pas récapitulatifs. Donc tous, tous les éléments d'évaluation à venir vont porter seulement sur les sujets vus après à partir de maintenant. Donc, ça veut dire cinq semaines de contenu. Euh, ensuite de ça, le travail pratique numéro deux, qui va être la suite du premier. On avait travaillé sur un jeu d'état financier de sport au max ou à l'aide d'une conciliation, vous deviez trouver le revenu d'entreprise, mais on va continuer la déclaration de revenus de cette fameuse société-là, Sport Max, toujours avec euh, les, les états financiers que vous allez devoir décortiquer et aussi des informations manquantes. Là. On va se rappeler, ça va jouer, la, ça va se faire exactement de la même façon. Euh, donc, ça, c'est 10 points pour ça. J'aurais peut-être dû vous dire juste avant les cinq, premières, les cinq semaines dans lesquelles on est en ce moment, là, les, les cinq dernières semaines de contenu qu'on entame en ce moment. Il y a toujours les, les, les petits questionnaires électroniques de deux points à compléter, rappelez-vous. Donc, jusqu'à dimanche soir. Ça fait bien, ceux qui ont 10 sur 10 là-dessus. Hein? Tu sais, des fois, à l'examen, ça a moins bien été, ou en tout cas, ça a été, été sur la moyenne, mais avec un 10 sur 10 dans tes questionnaires, ça fait. Euh, ça fait une note globale quand même intéressante. C'est ça qu'il faut regarder. Hein. Ce n'est pas, pas juste un élément d'évaluation qu'il faut regarder, c'est l'ensemble. Donc, euh, je suis conscient des fois que l'examen peut être un peu plus euh, difficile ou un petit peu moins bien réussi, mais c'est très bien compensé souvent par les, les notes aux travaux qui sont bien réussies, puis surtout les notes au petit questionnaire électronique. Donc, si on met tout ça ensemble, c'est ça qu'il faut regarder pour porter un jugement sur sa réussite, là. pas juste l'examen. C'est con, connu et c'est voulu. On sait qu'il y a des éléments d'évaluation plus faciles, d'autres un peu moins faciles. Bon, que, euh, prenez, prenez, prenez votre note sur 50 à date, c'est ça mon message. Regardez combien vous avez eu sur 50, c'est ça qui est important, et non pas juste sur les 30 points d'examen de intra. Là. Puis, euh, si vous ne changez rien en deuxième moitié de session, vous allez avoir à peu près le même résultat. D'accord? Parce que c'est le, le même type d'enseignement, c'est le même type d'évaluation qui vous attend. Donc, si vous êtes content de votre performance dans la première moitié de la session, en tout cas, si ça s'enligne bien pour vous, ne changez rien, ça devrait. Donc, vous devriez avoir euh, des aussi bonnes notes en deuxième. Vous pouvez, vous pouvez faire fois 2 sur votre résultat actuel. Ça va vous, vous donner à peu près votre résultat là, euh, à la fin de la session. Mais pour ceux que ça, pour qui ça n'a pas bien été et qui veulent améliorer les choses, bien, bien sûr, il faut changer, faut changer des choses. Parce que si vous gardez la même approche, les résultats vont pas mal se ressembler. Euh, habituellement, à l'examen final, les résultats ressemblent, sont un petit peu meilleurs qu'à l'examen intro parce que quand même, la matière est un petit peu plus facile en deuxième moitié de session, mais... Il ne faut pas trop s'asseoir là-dessus, quand même, non plus. Donc, vous voyez, voyez un peu comment ça a été votre performance jusqu'à maintenant. Puis si vous êtes satisfait, ne changez rien. Puis si vous n'êtes pas satisfait, il y peut-être peut des petites choses à changer. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Je peux peut-être essayer de voir avec vous là, comment que, vous donner des petits conseils pour euh, améliorer vos, euh, vos éléments d'évaluation si, si vous en sentez le besoin. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est Ce qu'il nous reste à faire? Donc, c'est un, ce un petit peu ce qu'on retrouve dans le plan de travail. Là. Je ne vous montrerai pas le plan de travail au complet. Ici, donc, on est rendu dans la semaine 9, notre première semaine de contenu. Donc, on va entamer le sujet 4. On va y passer deux semaines sur le sujet 4. Essentiellement, on fait un travail en classe. Je le, je le corrige avec vous. Puis, ça va nous permettre de voir euh, tous ces fameux calculs de gains et de pertes en capital. On va avoir nos petits défis qu'à à la fin de l'avant-midi et toujours le, le travail à faire à la fin de la session. Euh, pardon, pas à la fin de la session, la, après le cours, le travail à faire là, sur les problèmes de la BQI en fiscalité. OK. Alors, si on va voir justement le sujet 4, c'est de vous mettre un petit peu en contexte. Donc, avant de vous, mettre, avant de vous, en, de vous lancer dans le problème, juste vous. Euh, vous mettre un petit peu en contexte. On va parler des fameux calculs de gains capital imposable et de pertes en capital déductible. Donc, on va passer deux semaines là-dessus. Donc, jusqu'à maintenant, ça avait l'air très simple, ça. C'était tout un sujet qu'on qu explorait pas trop, puis c'était normal, sachant qu'on y arrive aujourd'hui. Mais. Euh, depuis le début de vos cours de fiscalité, là, vous voyez un monsieur qui est, ou une personne qui détient un terrain et qui le vend. Donc là, vous faites produit de disposition moins PBR fois 50 C'est comme ça qu'on calcule un gain en capital imposable. Il y a des nuances, il y a des exceptions, devinez bien. Donc, on va passer deux, deux cours au complet, deux semaines au complet, à voir tous ces, ces calculs-là de comment ils se font euh, au niveau des gains en capital. Donc, euh, le point 4, c'est des particularités. Comme son nom l'indique. Donc, on a une, on pourrait 11 particularités qu'on va voir sur deux semaines. Avant le point 4, c'est plus des règles générales. Euh, donc, euh, je vous rappelle que les, les gains capital se, se, pla se placent dans le calcul du revenu. Euh, on se rappelle qu'il y a trois grandes parties avec trois couleurs différentes. Calcul du revenu en bleu, calcul du revenu imposable, ici, un petit peu plus bas. Là. Ici, en vert, puis le calcul de l'impôt en rose. On est toujours dans le calcul du revenu. On est sur la ligne ici, 3B, finalement, là, de, 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 de l'article 3, où il faut comparer les gains en capital imposables de l'année moins les pertes en capital déductible. D'accord Si on le voit un petit, un petit peu plus, on le voit un, un petit peu plus gros. Si on zoome un petit peu la ligne à 3B, il y a un petit peu plus de détails dessus. Est-ce. Euh, ici. Donc, si on l'image, notre alinéa 3B, on a des gains, on a des pertes. Essentiellement, on va, trouver, on va devoir séparer nos résultats ou construire notre alinéa 3B, je devrais dire, en utilisant quatre boîtes. D'accord? Ici, la, en haut, ici, c'est tous les gains. On va y mettre tous les gains en capital qu'une personne a fait dans l'année. En bas, ici, toutes les pertes en capital qu'une personne a fait dans l'année. D'accord? Plus précisément au niveau des, des gains, ici, on… La, Ici ou dans la première boîte en haut, on va aller mettre tous les gains capitaux qu'une personne a réalisés dans l'année en vendant des immobilisations autres que des biens meubles déterminés. On va voir c'est quoi des biens meubles déterminés. Vous le savez déjà, mais euh, il y a un traitement spécial pour ces fameux biens-là. D'accord. D'ailleurs, les, les, les trois types d'immobilisations qui existent en fiscalité, je les ai symbolisés par des couleurs. Donc une immobilisation standard. Euh, symbolisé par du jaune-orange, euh, un fameux bien-meuble déterminé symbolisé par la couleur verte et des biens à usage personnel, eux, symbolisés par la couleur mauve. Donc, vous voyez un petit peu par le jeu des pastilles ce que, je, ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, si tu vends n'importe quel bien et que tu fais un gain à capital, à, mis à part la vente d'un bien-meuble déterminé, tu vas le mettre ici, comme nous les indiquent les pastilles en plus, les pastilles là, mauve et orange. Dans la deuxième boîte, ici, on va les mettre tous les gains en capital qu'on a fait en vendant des biens meubles déterminés, justement, et aussi les pertes. Donc, quand on vend des biens meubles déterminés, les gains et les pertes sont mis ensemble parce qu'il y a une règle qui oblige à, à, à utiliser une perte réalisée sur biens meubles déterminés uniquement à l'encontre d'un gain sur biens meubles déterminés. C'est pourquoi il faut mettre les deux ensemble, les plus et les moins, dans la même boîte pour être sûr que les pertes sur biens meubles déterminés ne s'appliquent pas contre des gains de l'autre boîte. C'est la restriction qu'on qu oblige. Sur ces fameuses pertes euh, provenant de la vente de biens meubles déterminés. Finalement, une, les, ici, on va aller mettre les, les ventes d'immobilisation orange pour lesquelles on a fait des pertes. Je vous rappelle que si tu vends un bien orange, pardon, je dis, un bien euh, mauve, un fameux bien à usage personnel à perte, c'est non déductible. On ne peut pas mettre dans un rapport d'impôt une perte en capital que l'on fait en, vend, un, en vendant un bien qu'on a acheté pour le consommer de façon personnelle. Donc, euh, si vous vendez votre voiture, si vous vendez. N'importe quoi qui vous appartient personnellement, vous ne pouvez pas aller mettre les pertes en capital dans le rapport d'impôt parce que c'est un fameux bien à usage personnel. Donc, essentiellement, c'est ça qu'on va construire pendant les deux prochaines semaines, c'est le contenu de ces boîtes-là. Euh, ceux qui veulent plus de détails sur c'est quoi les part... je ne reviendrai pas là-dessus, on l'avait vu en fiscalité 1. Euh, donc, euh, l'explication, c'est quoi les biens oranges, c'est quoi ça des biens meubles déterminés? C'est des objets de collection, tout ça. C'est quoi les règles qui s'appliquent quand on vend ce genre de biens-là? Retournez voir dans le volume tome 1, si vous le souhaitez. C'est dans le tome 1, euh, le cours de la fiscalité 1, le sujet 3. Donc, euh, tout est expliqué en détail. Évidemment, je n'ai pas tout repris ici en fiscalité 2. Donc, je présume que c'est déjà compris, ces, ces choses-là. Mais vous avez toujours le, le loisir d'aller voir, euh, voir ça. Juste pour votre, <laughs> votre curiosité, peut-être vous le savez déjà. Euh, depuis que je vous enseigne les cours de fiscalité, là, si c'est moi qui vous enseigne depuis le début, que je vous dis que lorsque l'on fait un gain capital, admettons qu'on qu s'enrichit de 100 dollars parce que j'ai vendu un bien 100 plus cher que je l'ai acheté, on ne m'impose pas sur 100 dollars, On ne met pas 100 dans mon rapport d'impôt, on met seulement la moitié. Donc, c'est le fun. De, vous voyez que ce n'est pas 100 de, du gain capital qu'on impose, seulement la moitié. Mais ce, ce fameux montant, c'est ce qu'on appelle le taux d'inclusion du gain capital, ça varie ça a varié au fil des temps et ça va varier encore. pensez pas que vous allez faire votre carrière de fiscalité avec un taux d'inclusion du gain de capital qui ne bougera pas. Ça va évoluer. Ça évolue au gré des, entre autres, des partis politiques qui sont au pouvoir, parce que dépendamment de la philosophie politique du parti qui nous gouverne, c'est un peu une mesure qui touche les riches, hein, ça, l'imposition du gain de capital. Les gens qui font du gain de capital, c'est des riches. Donc, dépendamment de ta. ta ton opinion politique ou ta vision par rapport à ça, il ben, y a des périodes, comme vous pouvez voir, dans les dernières années où on imposait plus le gain capital parce que les partis au pouvoir pensaient que c'était ce qu'on devait faire. Et depuis 2000, ça n'a pas changé, mais ça va assurément changer un jour, c'est sûr. Donc, soyez attentifs à ça. Euh, aussi, dernière chose que je vous rappelle, toute cette alinéa là ne peut pas tomber négatif non plus. Donc, si dans une année, je n'ai pas beaucoup de gains dans la première partie, puis j'ai beaucoup de pertes. Je ne peux pas mettre un montant négatif, des, je dois mettre un montant zéro dans mon revenu. Une perte en capital qui est ici, ça peut juste s'appliquer contre des gains, ça ne peut pas s'appliquer contre d'autres natures de revenus. Ça, je pense que c'est des choses que vous savez. Alors, euh, quand, comme je vous disais, euh, le calcul du gain capital depuis, deux, depuis, depuis le tout début que vous le faites avec deux chiffres, vous dites, je prends mon produit de disposition. J'enlève mon PBR, puis je fais fois 50 D'accord À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, vous devriez plutôt considérer un calcul de gain de capital comme un, comme un calcul qui comprend cinq éléments. Toujours, toujours, toujours considérer cinq éléments dans votre calcul de gain de capital. Donc, prix de vente, oui. Moins moi, le prix que j'avais payé mon bien, oui. Ensuite. Il faut retrancher de ça toutes les dépenses reliées à, au, au fait que tu as vendu. Donc, si tu as dû payer des dépenses pour faire ta vente, si tu as dû payer des commissions, par exemple, à un courtier pour qu'il t'aide à faire ta vente, c'est un montant qui vient en retranchement dans ton calcul de gain capital. Et ensuite, on a un jeu de provision, en plus et en moins, dépendamment si je n'ai pas encaissé la totalité de mon produit de disposition. C'est un des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, tout ça fois 50 et le résultat on vient le mettre dans une des deux boîtes, comme j'expliquais tout à l'heure, dépendamment si j'ai vendu un bien orange, un bien mauve ou un bien vert. Euh, OK, le prix de base rajusté. Donc, euh, chacun, de, chacun de ces composantes-là, finalement, de mon, ici, de mon calcul à cinq éléments, est expliqué dans le volume. On va mettre ça en pratique, euh, bien sûr. Le prix de base rajusté, comme vous le savez, c'est le prix d'acquisition de mon bien. Mais des fois, ça bouge. C'est plutôt rare, mais il y a des circonstances un peu particulières, exceptionnelles, qui font que le PVR d'un bien que j'ai acquis bouge. On, peut penser que un, on pourrait penser que c'est un, un, une valeur qui ne devrait pas bouger. Si j'achète un terrain 20 000, puis je le revends 50 ans plus tard, il me semble que le PBR devrait être toujours de 20 000. Vous avez raison. Dans 99 des cas, le PBR ne bouge pas. C'est le prix d'origine de ton bien. Mais dans quelques contextes particuliers qu'on a ici, vous les regarderez, il y a certaines, certaines, certains contextes, oui, où il faut venir augmenter le PBR. Donc, le PBR il peut subir certains ajouts dans certains contextes. Et il peut aussi euh, subir certains retranchements. Donc, il y a certains éléments qui peuvent venir gonfler un PBR, d'autres circonstances qui peuvent venir dégonfler un PBR. Mais je vous, vous l'accorde, ce n'est pas très fréquent. On va en parler aujourd'hui de ces contextes-là. On va les vivre aujourd'hui dans le travail, ces contextes-là. Puis vous allez voir qu'ils sont logiques, les ajustements. Je vais essayer de vous le montrer, en tout cas. là. Si on ne faisait pas les ajustements PBR, on double imposerait le contribuable, carrément. Donc, c'est des ajustements qui sont juste normaux pour ne pas double imposer un contribuable à la fois en gain capital, puis à la fois euh, imposé dans, dans une autre source de revenus. Euh, la fameuse provision pour gain capital, on va la pratiquer aussi aujourd'hui. Vous l'avez vu, c'est un élément qui vient retrancher, qui vient en moins, qui vient diminuer mon calcul de gain capital, ça, c'est, j'y ai droit lorsqu'une partie de mon produit de disposition n'a pas été encaissée à, fin de, à la fin de l'année. Donc, euh, juste, on va, comme je vous dis, on va le pratiquer, mais prenez l'exemple, c'est une chose que vous ignoriez peut-être jusqu'à maintenant. Si tu vends un terrain, effectivement, un terrain que tu avais acheté à l'époque 20 000, tu le vends cette année 100 000. D'accord? Donc, tu fais un gain capital de 80 000. Fois 50 tu vas, mettre 40, tu vas mettre ça dans ton rapport d'impôt. Tu comprends que tu, tu vas devoir payer beaucoup d'impôts là-dessus. Là. Si on finissait le rapport d'impôt au complet, ça va coûter un bon montant d'impôt de faire un, un gain de capital si important. Imaginez que l'acheteur qui vous achète le terrain 100 000 te dit en passant, je ne te paye pas tout de suite. Le 100 000 que, bon, le produit de disposition que je vais devoir te donner, là, pas te, je pas le moyen, je ne te le donne pas tout de suite, je te le donne l'année prochaine, peut-être même dans deux ans, peut-être même dans trois ans. Donc, ça n'aurait aucun sens de demander à quelqu'un d'assumer la totalité de son impôt sur un calcul de gain de capital quand on sait très bien qu'il n'encaisse même pas son argent. Donc, il y a un peu cette, cette volonté-là pour le gouvernement de, de dire, ouais, si, si tu n'as pas encaissé ton produit de disposition pour effectivement reporter ton gain de capital sur, euh, à une autre année. Une année où tu encaisseras ton produit de disposition. Donc, la logique, elle est là. Donc, ça, c'est des choses qu'on va voir. Puis, au niveau des particularités, on en voit la moitié cette semaine, comme je vous ai dit. Première particularité, l'exemption de gains capital sur la résidence principale. Peut-être le saviez-vous, peut-être le saviez-vous pas. Euh, lorsque l'on vend la maison que l'on habite, la maison que la, notre famille habite, c'est un bien qui est exempté ou il existe une exemption qui veut qu'on ne, qu ne, ne mettra pas de gain capital dans notre rapport d'impôt. Donc, le gouvernement ne souhaite pas que les familles payent de l'impôt s'ils vendent leur résidence principale et qu'ils font un, un gain capital. Donc, pour ça, il y a une exemption pour gain, pour gain capital qui marche très bien et qui fait en sorte que toutes les familles n'ont pas à se soucier de ça. Il n'y en aura pas d'impôt. Le seul cas où l'exemption... Ne couvrira pas tous les gains capital, ce n'est pas, pas triste, croyez-moi. C'est des gens qui détiennent plus qu'une résidence. Si à la fois, tu as plus qu'une résidence, donc disons une maison en ville, plus un chalet sur le bord d'un lac, puis que pendant un certain nombre d'années, tu es comme en double propriété, Là, le gouvernement va dire: non, non, ce pas vrai que je vais t'exenter ton gain capital sur tes deux maisons. Es normalement, une famille en habite une, donc choisis finalement une des deux maisons, désignant comme étant ta résidence principale, puis tu seras exempté sur celle-là, mais tu ne seras pas exempté sur l'autre. Puis là, il y a des stratégies à utiliser dans ce contexte-là. Il, il y a une façon d'optimiser ce choix-là. On va en parler aujourd'hui. Euh, deuxième particularité au niveau des immobilisations: un changement d'usage. Euh, regardez ici, euh, ça c'est le petit dessin qu'on avait dans le cours de, de fiscalité 1 tout à l'heure. Je vous disais, si vous retournez voir le tome, le tome 1, sujet 3, c'est cette image-là que vous allez retrouver, d'accord? Donc, il euh, y a des gens qui, les trois fameuses couleurs là. Donc, si je veux une immobilisation, je vais vous dire ça autrement. Ici, les biens jaunes orange. J'ai tué -tu euh, passés ici. Bon, je vais prendre je vais me faire de, de mes couleurs ici. Euh, une immobilisation acquise dans le but de, le but de gagner du revenu, c'est un bien orange. Puis une immobilisation qui est acquise à des fins personnelles, c'est un bien euh, mauve. Donc, j'ai mes couleurs ici. Donc, si j'acquiert une immobilisation pour des fins commerciales, enfin, je ne sais pas moi, j'achète un grille-pain, mais mon grille-pain, c'est pour le mettre dans mon, un restaurant qui va, qui va, qui va, qui va opérer le, une, une entreprise de restauration, puis qui va faire des toasts à mes clients le matin. Donc, si j'achète un, un grille-pain, Commercial, en guillemets, il y a des particularités qui s'appliquent sur ce, sur ce bien-là. Entre autres, je vais pouvoir l'amortir. Euh, et si c'est un bien non amortissable, comme un, un terrain, par exemple, j'aurai le droit à une perte en capital en le revendant. À l'inverse, si j'acquiers un bien à usage personnel, disons le même grille-pain, si je l'acquiers, mais pas pour le mettre dans un restaurant, pour le mettre chez nous, ça devient donc un bien à usage personnel. C'est un bien à usage personnel. Les règles sont différentes. Je ne peux pas prendre d'amortissement sur le grille-pain qui est dans ma cuisine. Puis, si c'est un bien qui était non amortissable, je n'aurais pas le droit à la perte en capital non plus. Je vous rappelle ici que les biens orange, euh, pardon, les biens mauve, on n'y a pas le droit. Ça, c'est connu, OK? C'est connu, ça. Ça ne cause pas de problème. Imaginez maintenant la situation où j'acquiers un bien pendant un certain nombre d'années qui est utilisait des fins personnelles et tout d'un coup, je commence à l'utiliser à des fins personnelles après son acquisition, ou l'inverse, J'acquiers un bien, je l'utilise à des fins personnelles et en cours de, 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 de détention, je commence à l'utiliser à des fins commerciales. C'est ça qu'on appelle un changement d'usage. C'est une immobilisation qui, pendant un certain nombre d'années, était orange puis elle devient mauve ou l'inverse. D'accord? On pourrait aussi prendre l'exemple d'un chalet. Je détiens un chalet personnel. Ma famille y va pendant 5-10 ans. Puis à un moment donné, je décide de le louer. Mais le chalet, il devient commercial change d'usage. Mais ça, en fiscalité, il y a des conséquences à ça. Quand un bien change d'usage, c'est comme si tu l'avais vendu. On fait semblant que tu, que tu l'as vendu de toi à toi. On fait semblant que tu l'as vendu à, à, à sa juste valeur marchande et que tu l'as racheté tout de suite après à sa juste valeur marchande. Donc, il y a des, va y avoir des conséquences dans un rapport d'impôt, bien sûr, d'une personne qui vit ça, un changement d'usage. Euh, 4.3, transactions relatives à des options. Donc, euh, vous savez qu'est-ce que c'est une option? C'est comme un, un bien qui se transige à, sur les marchés financiers au même titre que des actions. Mais une option, c'est comme un bien so secondaire, si on veut. C'est un bien, c'est une espèce de. de c'est un, un un droit qu'on a, qu'on peut acheter, un, une option d'achat, c'est un droit. Ou un, on achète le droit d'acheter quelque chose. Il existe des options d'achat sur des actions, des options d'achat sur, sur du blé. N'importe quoi qui se transige sur, le marché, sur les marchés directement peut aussi se transiger par le billet d'options. Donc, c'est un peu technique au niveau financier, mais bref. Au niveau fiscal, qu'est-ce qui arrive si j'achète une option, d'accord, puis je décide, cette, cette option-là, il y a trois finalités possibles, d'accord. C'est un peu ce que je veux vous dire ici. Donc, si j'achète une option, par exemple, une option d'achat d'actions, donc une option qui me, le donne, qui me donnerait le droit d'acheter des actions plus tard, ou une option d'achat sur du blé ou sur du pétrole, une fois que j'ai acheté l'option, il y a trois finalités possibles avec mon option. Je ne parle même pas de fiscalité, c'est la finance, c'est ce qui va se passer dans la vraie vie. Première finalité, j'exerce mon option. Ça, ça veut dire que mon option me donnait le droit d'acheter quelque chose, puis je l'achète le quelque chose. Donc, décide, donc, mon option me donnait le droit d'acheter, disons, une poche de blé à 50$. Disons, je ne connais rien à la valeur des poches de blé. Donc, ça m'intéresse. Je sors un 50$ et je m'achète une poche de blé comme mon option me permettait de le faire. Deuxième finalité, euh, j'ai l'option, je peux m'acheter des poches de blé, mais ça ne me tente pas. Pour différentes raisons, je n'ai pas besoin de blé. Euh, euh, le 50$, dollars, je ne l'ai pas en, en ce moment. Donc, oui, j'avais le droit de m'acheter du blé avec cette option-là, mais ça ne me tente pas. Donc, mon option, je pourrais très bien la revendre à quelqu'un d'autre. Donc, l'option que j'ai achetée, je décide de ne pas l'exercer, puis je la revends. Donc, deuxième finalité possible. Troisième finalité possible, elle arrive à expiration. Les options, elles ont toujours une expiration. D'accord? Donc pour différentes raisons, ça se peut que je décide de ne pas exercer l'option, que je ne réussisse pas à la vendre, puis malheureusement que je reste pogné avec jusqu'à son expiration, dans quel cas elle ne vaudra plus rien. Souvent, les, souvent, il y a des investisseurs qui vont, euh, qui, vont être, euh, qui vont faire de la spéculation, puis qui vont acheter une option sur un bien, une poche de blé, en, en, en espérant que le prix de la poche de blé augmente. Donc, c'est sûr que s'ils si ont bien vu puis que le prix de, de, la, de la poche de blé augmente, ils sont contents d'avoir acheté une option à 50 si la poche de blé monte à 70. C'est sûr que ça a été un bon coup. Mais imaginez que la, le prix de la poche de blé chute. Qu'est-ce que tu fais avec une option qui, te, qui permet d'acheter une poche à 50 quand le marché est rendu à 40? Donc, tu as raté ton pari. C'est des, des choses qui arrivent. Tu, tu vas être pogné avec ton option. Donne, tu ne l'exerceras pas. Tu n'iras pas t'acheter des poches, une poche à 50 si le marché la vend à 40. Tu ne l'exerceras pas. Personne ne va vouloir te l'acheter, ça ne vaut plus rien. Donc, tu vas la garder jusqu'à son expiration. Donc, dépendamment des trois finalités, voyez ici les impacts au niveau de, du rapport d'impôt. 4.4, euh, ça, c'était. On va le voir la semaine prochaine. 4.5 aussi. 4.6 aussi de mémoire. Puis je pense qu'il nous en reste une petite dernière. 4.7, je pense qu'elle était la dernière pour cette semaine. Des transactions en devises étrangères. Donc, on a aussi des investisseurs qui transigent sur les marchés boursiers ailleurs qu'au Canada. Donc, si je transige sur des bourses euh, aux États-Unis, à Hong Kong, peu importe, en Europe, donc ça se peut que je fasse certaines transactions dans des devises autres que canadiennes. Donc, évidemment, quand je vais déclarer mon gain capital, il va y avoir une conversion à faire. Je vais devoir convertir. Donc, euh, en dollars canadiens, toutes mes opérations. Donc, c'est un peu ça la logique. On a des exemples ici. Là. On les regardera tout à l'heure. Mais, donc, si je fais, euh, j'achète un, un, des actions 2000$ US ici, puis je revends les mêmes actions un petit peu plus tard, un mois plus tard, à 2000$ US, c'est drôle. On dirait que je ne me suis pas enrichi. J'achète des actions 2000$ US, je les revends 2000$ US. Pourtant, j'ai fait un gain capital de 50$. Ça, 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 ça s'explique comment? Le taux de variation de la devise. Pendant le mois où j'ai acheté des actions en dollars US, juste en détenant des. Dans le fond, j'ai comme acheté des dollars US un mois avant, puis le, 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 la même valeur d'argent US en dollars canadiens vaut un peu plus cher un mois plus tard. Donc, juste l'appréciation de la devise canadienne par rapport à la devise américaine, le, da, le temps que j'ai détenu mes biens, juste ça, ça m'enrichit. Donc, s'enrichir par un gain sur devise ou par une, une appréciation de la devise, c'est aussi du gain de capital. Donc, on va aussi le, devoir l'imposer. On, on aura des exemples, on en reparlera aujourd'hui. C'est bon? J'ai été un petit peu long, là, je m'excuse, mais ça va vous permettre de commencer le problème qui n'est pas trop long de toute façon. Donc, vous devinez que ce qui va vous être demandé, c'est de faire des calculs de gain capital pour une personne, gains et pertes, et ces contextes-là vont arriver aujourd'hui. Tous ceux qu'on vient de voir, c'est des contextes qui vont arriver dans le cas. Donc, si vous allez sur votre portail de cours, dans le menu documents, ici là tout est là ben, le problème de cette semaine de la semaine 9 si je l'ouvre avec vous donc euh, c'est une madame qui vous demande de calculer son revenu donc le revenu c'est toute la partie bleue d'accord mais évidemment que toutes les autres lignes nous intéressent à peine elle a, a en question un peu de riche des rentes du Québec. Là, vous devriez l'inclure dans son revenu, mais surtout, surtout c'est des pages qui suivent où on va voir toutes tout, tout ses opérations dans l'année. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait comme opération dans l'année? Elle a gagné un peu d'intérêt, un peu de dividendes. Elle a gagné un peu de revenus de location. Elle, elle a vendu des titres boursiers. Donc, elle a vendu des titres en bourse, en, certains en dollars américains. Vous voyez les taux de conversion ici qu'il faut euh, utiliser pour chacune des journées. Elle a vendu des obligations. Elle a acheté des options. Comme on vient de discuter tout à l'heure, on va voir lesquelles des trois finalités sont arrivées pour elle, mais elle, elle a transigé sur des options. Elle a vendu un chalet puis elle a une autre maison. Donc, cette personne-là, elle est propriétaire de deux maisons une maison en ville et un chalet de ski au mont saint anne Elle vend un des deux. Vous allez devoir optimiser son, 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 ses choix, la guider pour qu'elle fasse les, les choix qui vont lui coûter le moins d'impôts possible, parce que l'exemption pour résidence principale ne s'appliquera pas sur les deux biens, je vous le rappelle. Ceux de ça le vendu des actions euh, d'une compagnie privée et pour lesquelles une partie du prix de vente n'a pas été encaissée. Donc, ça, ça va avoir aussi des impacts sur votre calcul et finalement, le vendu quelques objets de collection. C'est bon. Donc, je vous laisse aller. On va prendre une, euh, le temps qu'il faut, là, une vingtaine de minutes pour faire la moitié du problème. Je vous laisse commencer, mais je vais vous guider. Là, il y a, je vais vous dire quelle partie du problème euh, traiter en première, euh, en première partie pour qu'on puisse les, les regarder ensemble tout à l'heure. Donc, euh, bon travail. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis là pour vous aider. Okay, alors, je vous propose qu'on regarde la solution ensemble pour nos, euh, nos premiers éléments. Donc, euh, je vous présente le, le, le calcul du revenu, donc la réponse finale, mais ce ne pas les chiffres qui sont importants. Je vais juste vous montrer la structure pour que vous vous rappeliez là, que, de quoi il s'agit, le fameux calcul du revenu. Puis nous, là, dans, ici, où on se situe au niveau des gains et des pertes en capital. Donc je vous rappelle qu'un calcul de revenu, là, essentiellement, ça a quatre composantes. En haut complètement, on il met toutes les sources de revenus gagnées par une personne, à part les gains en capital, bien sûr, et les pertes en capital. Donc, c'est pour ça que de... c'est ce qui faisait comme résultat tout à l'heure, 23 000. Là. Donc, vous deviez, pour Mme Jacques en question ici, dans son re... vous deviez mettre dans sa ligne revenu de bien, revenus de biens, ses revenus d'intérêt, les revenus de dividendes qu'elle devait majorer. C'était 1,38 la majoration, c'est tout ça. C'était un dividende déterminé de, de mémoire et du revenu de location. Donc, ça vous donnait un revenu de bien de 14 000. Et ces revenus provenant de la Régie des rentes du Québec vont dans la ligne autres revenus. Donc, ça, c'était pour la première partie. Euh, la deuxième partie, c'est les gains capital et les pertes en capital. Ensuite, une troisième partie qui ne s'applique pas. Il y a une quatrième partie où il y a des pertes dans la, subies dans l'année. Donc, des déductions et des pertes ici. D'accord. Puis, au niveau du gain capital, sont si gros grossit, vous allez reconnaître, les, je, je me suis efforcé de vous faire reconnaître les quatre grandes boîtes distinctives avec des couleurs distinctives qu'on essaie de retrouver. Donc, je vous disais, la première boîte, Ici, on y met tous les gains capital réalisés dans l'année autres que sur déterminé. bien meubles déterminés. Cette boîte-là donne 115 000 à la fin de l'exercice. Deuxième boîte, je vous ai dit, on y met uniquement les gains et les pertes sur bien meubles déterminés. Ça va donner zéro. Troisième boîte, on y met les pertes en capital réalisées dans l'année, 5109, et on retranche finalement celles qui se qualifient de. PDTPE, mais ça, ce n'est pas, pas un sujet de cette semaine, c'est un sujet de la semaine prochaine. Donc, pour notre exercice, volontairement, ça donne zéro. Donc, vous reconnaissez les fameuses quatre boîtes. Donc, à la toute fin, je prends mes gains capital de 115 000 plus ceux sur BMD. Ça me donne ici 115. Et au niveau des pertes, j'en ai pour 5 000. Donc, 100, donc, à la toute fin de l'exercice, je répète, Mme Jacques a 115 000 de gains, 5 000 de pertes. C'est le pourquoi elle va déclarer 110 000. De gains en capital imposable qui excèdent les pertes en capital déductibles. Ce ne sont pas les chiffres sur lesquels je veux attirer votre attention, c'est sur la fameuse structure qu'on qu essaie de construire dans, dans l'exercice et, et dans les, dans le, essaie de construire dans exercice des, les exercices de cette semaine et de la semaine prochaine. Donc, le revenu au sens fiscal, là, il se termine à presque 134 000. Donc là, on va vraiment aller voir nos, nos calculs à nous, nos, nos, les impacts de, de nos différentes transactions. Vous reconnaissez les jeux de couleurs là, dans l'énoncé. Le... Euh, donc aujourd'hui, on vous demandait de travailler les actions pour la première partie, là, la vente des 120 actions d'une compagnie privée. Ça vous donnait à la toute fin le fameux 105 000 qui est ici. D'accord Donc les, on les a vendus 425 000, on l'a vu dans l'énoncé, le PBR. 75 000. Donc, attention, on ne vendait pas la, nos 200 actions au complet. Donc, je vous rappelle qu'on avait acheté au départ 200 actions pour 125 000. Donc, il ne faut pas prendre ce PBR-là. Il faut trouver le PBR pour le bloc de 120 actions que j'ai vendu. Donc, une, simplement une règle de trois. Là. Votre 125 000, vous le divisez par les 200 actions achetées fois 120. Ça va vous donner votre PBR pour vos, euh, votre bloc de 120 actions. Et ce qu'on venait pratiquer ici, c'était la fameuse provision. Donc, il y a le, je vais vous le montrer dans le volume, là. mais la provision pour gain de capital, elle est possible aussitôt que tu. Que tu, que tu je suis en double négation. Aussitôt que tu n'as pas encaissé la totalité de ton produit de disposition, tu as droit à la fameuse provision pour gain de capital. Donc, dit autrement, les seuls. Donc, c'est très fréquent, ce n'est pas rare, ça. Les seules personnes qui n'auraient pas droit à une provision pour gain capital, c'est les gens qui auraient encaissé la totalité du produit de disposition. Donc, si ton acheteur te le paye au complet, le 425 000, ben là, tu n'auras pas droit à cet allègement-là. Tu n'es pas dans le trouble. Mais dans, dans notre cas qui nous, dans le coup, dans le coup qui nous occupe, ce n'est pas la situation. Elle, elle est loin d'avoir encaissé son, son 425 000 au complet. C'est pour ça qu'on va venir l'alléger par un report. On va enlever 140 000 de gain capital pour cette année. Puis vous allez voir que ça, c'est reporté à, à une autre année. Ça ne disparaît pas, c'est reporté. Donc techniquement, comment on arrive à une provision de 140 000 La formule est dans le livre. On va aller la voir tout à l'heure, mais je pense que vous l'avez vu. La provision à chaque année, c'est le plus petit de deux chiffres, d'accord euh, Bon, peut-être vous montrer dans le livre, tant hier, ça va être. Ça devrait peut-être un peu plus clean. Euh, donc si on va voir dans nos particularités ici, euh, non même pas. C'est dans, dans les règles générales 3.2. C'est ici qu'on vous, qu vous parle de ça. 3.2. Ici. Donc, provision pour gain capital, la condition d'application, elle est encadrée, c'est très simple, je vous l'ai dit, aussitôt que tu n'as pas encaissé la totalité de ton produit de disposition, tu y as droit. Et le fameux calcul technique, vous l'avez ici. Donc, le, le plus petit de deux chiffres, donc on peut peut-être l'appliquer pour euh, notre cas. Donc, le chiffre 1 est ici et le chiffre 2 est ici. Le chiffre 1, je prends le gain capital, je veux juste je vais prendre les chiffres de Mme Jacques. Tu peux m'aider si vous, si vous le souhaitez. Donc, le gain capital qu'elle a fait selon les règles générales, là, son, produit, son produit de disposition moins son PBR, 425 moins 75, ça donne 350, c'est ça? Donc, euh, 350 000, fois une fraction. Au dénominateur, on met son produit de disposition total. 425 000 et au numérateur, on met la portion qui reste encore à recevoir. C'est ça l'exercice. Donc, sur 425, combien n'a pas été reçu cette année? Il y en a qui se rappelaient l'énoncé, je ne l'ai pas sous les yeux. Là. Ouais, donc, finalement, euh, elle a encaissé 60 il reste 40 qui n'est pas encaissé. Donc, mon numérateur, c'est le fameux 40 ça me donne euh, 170 000, c'est ça? 110 000. Donc, 350 fois la fraction qui est ici, dans le fond, qui, qui représente la fraction de ce qui n'a pas été encaissé, ça va vous donner votre chiffre numéro 1, qui est un chiffre de 280 000. Le chiffre numéro 2, c'est bien simple. Je reprends le même gain capital ici, de, qui est ici, là, le fameux 350 000, mais cette fois-ci, je le fractionne par 4 cinquièmes. Donc, 4 cinquièmes de mon 350 000, ça va me donner euh, 140 000. Donc, la provision, c'est le plus petit de ces deux chiffres-là. Donc, c'est 140 000. Donc, je prends mon 140 000 qui est ici et je vais venir le retrancher, l'appliquer en moins dans mon calcul de gain capital. Donc, finalement, c'est pourquoi on finit avec un gain capital de 210 000 et un GCI, donc, fois 50 de 105 000. Euh, Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vais juste vous remontrer un petit peu la, la théorie par rapport à ça. Je ne m'étirerais pas. Euh, regardez ici, on prenait 4 5 mais la, cette provision-là, on peut la prendre pendant cinq ans. Donc là, on a juste vu le rapport d'impôt de Mme Jacques pour l'année 1. Mais si on voyait le rapport d'impôt de Mme Jacques pour l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5, il y aurait toujours une provision possible pour elle tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas tout encaissé. Donc, quand, si on se transposait un an plus tard, puis qu'on faisait le rapport d'impôt de Mme Jacques pour l'année prochaine. Euh, je pense qu'elle qu aurait, euh, elle, elle aurait encore dû à recevoir. Hein. Il y aurait un 20 non reçu, si je ne me trompe pas. Donc, le calcul serait là, ici, le moindre de cette formule-là, avec des chiffres un petit peu différents. Le non reçu ici serait un peu plus bas. Et là, on prendrait 3 cinquièmes. Quand on est rendu à la deuxième année, ici, ce serait 3 cinquièmes qu'on prendrait. Puis, je pense que la troisième année, il n'y aurait pas droit, parce que je pense que de mémoire, là, elle aurait tout encaissé, son produit de disposition. Donc, à partir du moment où tu as tout encaissé, tu ne peux plus euh, réclamer la provision. Je veux juste vous montrer euh, comment ça, le, le jeu de plus et de moins que ça donne. Regardez, c'est juste un autre un petit exemple ici dans le livre qui est sur cinq ans pour qu'on voit l'effet de ça. Je ne vous, vous remonte pas tous les calculs. Là, le, regardez, la, la première année, là, ça, si on, on, la première colonne, si on, on, on pense au calcul de Mme Jacques, avec des chiffres un peu différents. La provision, le premier calcul donnait 40, 6, 40 625, puis le deuxième donnait 40 000. Vous reconnaissez votre fameux 4-5e ici, là, qui était appliqué. Donc, pour la première année, le moins des deux, c'est 40 000. Donc, ici, dans le calcul, on est venu retrancher 40 000. Donc, 160, moins 100, moins 10, ça donnait 50 000 de gains, duquel on retranche une provision de 40. Donc, il resterait 10 imposés la première année, fois 50 bien sûr. Je veux juste que vous compreniez que, parce que là, on ne le voit pas dans l'exercice de Mme Jacques, le fait qu'on m'ait enlevé 40 000 de gains capital cette année, il ne disparaît pas. Il est reporté. Allez voir le calcul de l'année suivante. La règle dit aussitôt que tu prends une provision pour gain capital dans une année, ce même montant, tu dois le réinclure dans ton calcul de gain capital l'année suivante. C'est automatique. Donc, le moins 40 que tu viens de faire ici, il devient automatiquement un plus 40 l'année prochaine. C'est automatique. Et là, tu te poses la question est-ce que j'ai encore droit à une provision pour gain capital Je vous le montre ça là, parce que Mme Jacques, c'est ça qui serait arrivé aussi dans son rapport d'impôt de, de la deuxième année et ainsi de suite. Donc, oui, tu as encore droit parce que dans, ex, dans cet exercice-là, il n'a pas tout encaissé encore. Donc, il fait encore son fameux calcul de, de, de ces deux montants de provision 28 ou 30 Vous, vous remarquez qu'on travaille ici maintenant avec 3 cinquièmes. Donc, le moins des deux, c'est 28. Donc, je peux prendre un moins 28. Donc, la deuxième année, on fait plus 40, moins 28. On impose sur 11 fois 50 Le moins 28, qu'est-ce qui arrive l'année prochaine? C'est automatique. Il devient un plus 28. Donc, on, on se réimpose sur un plus 28 et on va encore faire un nouveau calcul de provision pour gain capital. Et ainsi de suite. Okay? Je ne ferai pas ça, vous comprenez le principe. Ça, pour elle, là, ça s'étire sur 5 ans dans cet exemple-là. Je vais juste vous montrer la dernière année. Okay? La cinquième année ici de la dernière colonne. Ça commence par un plus 10, c'est le fameux moins 10 qu'on a accordé l'année précédente, qui devient un plus 10 dans le calcul du gain capital la cinquième année. Et là, la cinquième année, quand tu, te, quand tu fais ton calcul de provision pour gain capital, c'est le moins de 14 ou zéro. Parce que regardez le calcul à la dernière année, c'est zéro ici. Donc, ta cinquième année, le, la provision pour gain capital, elle est prévue. Euh, elle est prévue pour quatre ans. Donc, l'année de ta vente plus les trois autres années. La dernière année, c'est impossible de prendre une provision pour gain capital. c'est une provision qui est valable pour finalement l'année de la vente, plus trois ans, si on veut. Donc, la quatrième année, c'est sûr que ça va donner zéro. Donc, plus 10, moins zéro, on s'impose sur 10 000. Regardez ça de haut pour terminer. Relevez-vous un petit peu des détails. Dans cet exercice-là, la personne a fait 50 000 de gains capital. C'est ça qui s'est passé. Tout ce jeu-là de, de, de plus et de moins, c'est pour répartir le 50 000 sur un certain nombre d'années. Regardez, rien ne se perd, rien de secret. La première année, on a imposé 10, 11, 8, 10 puis 10. Ça donne 50 000 piles. Il ne s'est pas perdu un sou de gains capital, puis il n'en a pas ajouté un. Rien ne se perd, rien de secret, ça c'est juste. On a juste reporté le gain capital de 50 000 on l'a morcelé sur 5 ans pour tenir compte de, euh, de, de, finalement, du fait que cette personne-là encaisse son produit de disposition sur plusieurs années. Puis, dernière chose que je vous montre, je ne serais pas obligé de vous le montrer. Regardez, juste pour le, dans l'exemple, euh, ils sont où mes données? Euh, regardez ici mes Regardez, la personne a fait un gain capital avant une immobilisation 160 000. Ici. Regardez la, la, le calendrier des encaissements. C'est pas mal plus lent que pour Mme Jacques. C'est pour ça qu'on a pris de la provision sur le maximum de temps qui était permis. 30 000 la première année, 40, 20, 15, 10, puis euh, 10 sur 4 ans, là, je pense, 10 000 sur euh, les 4 années suivantes, puis 15. Ça, ça, ça s'étire sur 10 ans presque, ces encaissements. Regardez comment c'est bien fait la formule. Est-ce que vous remarquez une année où, où cette personne-là a encaissé un peu plus de produits de disposition que les autres années, la deuxième. Hein? Donc, si elle a encaissé un petit peu plus de gains de capital la deuxième année, le gouvernement se dit qu'elle pourrait payer un petit peu plus d'impôts la deuxième année. Regardez la réponse, le, 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 le résultat final. Dans quelle année on a le plus de gains de capital? 10, 11, 8, 10, 10, c'est la deuxième. Donc, la formule est assez bien faite pour reconnaître le fait que dans une année où tu as encaissé un peu plus de produits de disposition, c'est normal que tu assumes un petit peu plus de gains de capital. Puis l'inverse, regardez l'année suivante. L'année suivante, on a presque, ben, en tout cas, euh, ou la quatrième année, a, les années où on a moins encaissé, il va avoir moins de gains de capital. Que, bref. Est-ce qu'il y a des questions sur ce calcul-là? J'aurais pu vous le montrer juste avec l'exemple de Mme Jacques, mais je voulais aussi que vous voyiez euh, ses répercussions sur les années qui suivent. Là. Pas de question, ben, excellent. Euh, ensuite, on s'intéressait aux fameux biens meubles déterminés, qui sont ma section en bleu. Donc, euh, on change complètement de sujet là. Donc, euh, donc j'avais deux, le, les biens meubles déterminés, c'est des objets de collection. Vous pouvez retourner voir dans le tome 1, dans le sujet 3, si vous le souhaitez, on vous donne, on vous donne des exemples, collection de, de, des collections d'œuvres d'art, de tableaux, de bijoux, tous des les, toutes les objets que tu achètes à des fins personnelles, mais qui quand même... Ont une chance de prendre de la valeur, de par le fait que c'est des objets de collection, puis que ce ne sont pas des biens qui vont, qui, vont se, 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 dé, se, qui vont perdre de la valeur avec le temps, comme une auto que tu t'achètes, par exemple, et que tu roules avec. C'est sûr que ça, ça ce n'est pas un bien même déterminé, c'est un bien usage personnel. C'est sûr que ça va perdre de la valeur. Mais c'est des objets qui ont une nature un peu plus euh, précieuse ou de collection. Donc voilà. Il y en avait deux, la vente du. Euh, du tableau italien, puis la vente de, de, de la sculpture inuit. Il y avait une petite nuance qui n'est pas super importante, là, que peut-être certains d'entre vous avaient oublié de fiscalité 1, je ne peux pas vous en vouloir. Pour ces biens-là, il y a une règle, de, la règle du 1 000 minimum. La règle dit qu'au niveau de ton produit de disposition, si ton vrai produit de, de disposition est en bas de 1000 000 il faut faire semblant qu'il est de 1 000 C'est la même chose pour tes PBR. Si le vrai prix payé est en bas de 1 000 tu dois faire semblant qu'il est de 1 000 Donc, il y a une espèce de valeur planchée de 1 000 autant pour le PBR que euh, le prix de base ajusté. Donc, ici, le vrai prix de vente, c'était 800 pièces, c'est ça, je pense, de la sculpture, mais on fait semblant que c'est 1 000. Donc, pour un, on a un gain, pour l'autre, on a une perte, et vous voyez que 200 moins. Donc, autrement dit, la perte ici de 225 annule le gain de 200, donc ça donne zéro. Puis il y a même un 25 de perte qui, cette année, ne sert pas. Faute de, de trouver 20, un autre gain sur BMD. Vous le voyez? Tout le monde voit ça, qu'il y a un 25 de perte qui ne sert pas cette année. Ça va être reportable, ça. Ce 25 $-là, on peut le reporter moins 3 ans, plus 7 ans, en espérant y trouver d'autres gains sur BMD. Et finalement, les, la vente de... On termine avec ça. La vente d'un bien usage personnel, donc le bateau à voile, donc ça, c'est vraiment, ce n'est pas un objet de collection, c'est un BUP au même titre que votre voiture. Donc quand vous vendez un bateau à voile à perte, ça donne zéro. Et ça donne, pardon, ici on avait une perte de 6500 fois 50 là, mais c'est bien zéro qu'il faut mettre parce que la règle dit que sur un bien usage personnel, toutes tout, tout, tout les pertes en capital sont refusées. Il y en a beaucoup, on en, a, on en possède beaucoup hein, des biens usages personnels. Posséder du linge, un ordinateur, je regarde que vous avez sous les, une montre, un sac à dos. Tout ce que tu possèdes dans la vie, ton auto, je dit, depuis tantôt, ce sont tous des biens usages personnels. Et Dieu sait que si tu les vends un jour, c'est presque sûr que tu vas les vendre à perte. Parce que par définition, tu l'as utilisé, tu l'as consommé, tu l'as brisé, donc ça perd de la valeur. Puis, ces pertes-là, on ne les met pas dans les rapports d'aide. Okay, voilà pour... Donc, c'est ce qui expliquait un petit peu notre sommaire, là, de, nos premiers résultats qui sont ici. Hein. Donc, euh, moins 25 et euh, moins 3250. Des questions? Good. Bien, on, on va aller à la pause, une quinzaine de minutes, puis on termine le problème après la pause. On s'attaque au calcul de l'exemption pour résidence principale, puis aussi les, toutes les transactions faites à la bourse. C'est bon, à tantôt, vers e 5, s'il vous plaît, sur 5. Je reste ici si vous voulez venir me poser des questions. Alors, on va regarder le, la solution ensemble. Le fichier solution va être disponible à 3 heures tout à l'heure, quand je vais terminer mon, mon deuxième groupe. Vous irez le chercher sur le portail de cours, si vous le souhaitez. <coughs> okay. OK. Alors, euh, on va commencer par les transactions boursières. Donc, euh, les montants que je vous mettais à l'écran pour euh, AFCorp, CMI puis Zest, Zest, euh, les options ZEST-IMP sont là, les calculs sont là. Donc, il y en a, il y en a qui étaient quand même assez euh, standards comme calcul, mais aussi ça vous, fait, ça vous rappelle que euh, de considérer pas seulement le, le produit disposition et le PBR. Hein. Donc, rappelez-vous qu'une formule de gain capital, c'est plus large que ça. Il peut y avoir une provision pour gain capital qui s'applique. On l'a vu tantôt, et aussi des frais reliés à la vente. Donc ici, il y avait des frais de 45 dollars qu'il fallait considérer deux fois, d'accord Parce que lorsque l'investisseur paye un frais de courtage de 45 dollars à l'achat, c'est une dépense de plus pour lui. Puis quand il paye un autre 45 dollars au courtier lors de la vente, c'est une deuxième dépense. Donc c'est comme si le, co le, le client ou le contribuable au total avait déboursé 90 dollars pour réussir à faire cette transaction-là. Donc faut reconnaître ces déboursés-là et euh, reconnaître ces déboursés-là et venir réduire le gain capital d'un montant équivalent. Techniquement, les 45 se placent à deux endroits différents. Ce n'est pas super important. Là. Le 45 relié à la vente, on le met, il est comme distinctif dans le calcul du gain capital. Donc, c'est vraiment produit de disposition, moins PBR, moins la dépense reliée à la vente. Donc, ton fameux 45 relié à la vente, il est là. Alors que le 45 relié à l'achat, il est inclus dans le PBR. Techniquement, c'est comme ça que ça se fait. Mais ce n'est pas grave si vous l'avez mis. Euh, si vous avez mis les 90 ici, ça ne me dérange pas, je m'en fous, vous allez arriver au même résultat quand même. Mais techniquement, on dit que le PBR d'un bien, ça inclut aussi tes frais à l'achat. Donc, c'est pour ça que. Bon. OK, bref, petit, petit détail technique. Donc, AFCOP, c'était vraiment pas compliqué. là. J'ai un calcul de gain capital très, très standard avec, je vous rappelle, 245 qui sont venus euh, s'appliquer, un dans le PBR en plus, puis un en moins ici. Euh, L'autre CMI, c'était des obligations. Hein, ça, donc, on avait acheté des obligations, 14 605, et à échéance, ils, euh, ils étaient rachetés pour 15 000 dollars, toujours avec mes mêmes frais de courtage. A, les obligations, il y a des gens qui pensent qu'on ne fait pas de gain capital quand on transige des obligations. Mais non, attention, il hein, faut savoir que quand on achète une obligation, ça se peut qu'on l'achète à escompte ou à prime, c'est-à-dire pour une valeur plus ou moins élevée que sa valeur nominale. Donc, ici, la valeur nominale, c'est le montant qu'on va se faire rembourser à l'échéance. Donc, ici, mon investisseur, il a payé 14 000 pour une obligation qui va arriver à, à échéance euh, et qui va valoir 15 000 à l'échéance, qui va pouvoir être euh, remboursée au montant de 15 000 Donc, euh, si, on, si on achète euh, des obligations à escompte, on va faire de l'intérêt pendant qu'on détient l'obligation, puis en plus, on va faire un gain capital à la revente. Vous le savez peut-être, si vous êtes bon en finance, une, une, une obligation, ça s'achète à escompte quand le taux d'intérêt de l'obligation est trop faible. Donc, si, si l'obligation euh, comporte un taux d'intérêt plus faible que la valeur au marché, il n'y a personne qui la veut, votre obligation. Qui sait qu'il achèterait une obligation qui paye du 1 quand le marché offre du 3 mettons. Fait que si moi, je suis détenteur d'une obligation qui rapporte seulement du 1 puis je veux vraiment te la vendre. Comment je vais faire pour te la vendre? Ben, je vais baisser le prix. Donc Même si je sais qu'elle vaut 15 000, cette obligation-là, je dis ben, 14 000 « 14 009 tu me l'achètes-tu? » Non. « 14 Non. Finalement, j'ai descendu à 14 600 et tu as accepté de me l'acheter ou Mme Jacques a accepté de me l'acheter à 14 600. Donc, ce qui va, donc, Mme Jacques, son pari, elle, c'est qu'elle dit je sais que pendant la, la durée du temps où je vais avoir une obligation, l'intérêt est pourri, mais en contrepartie, je vais faire un petit profit euh, puisque je l'ai euh, acheté pas cher. Puis, il existe le contraire. On peut acheter des obligations au-dessus de la valeur nominale. C'est le contraire c'est quand le taux de l'obligation est très généreux par rapport au taux du marché. Je ne sais, si sais pas si vous avez déjà vu ça une obligation émise par Hydro-Québec en 1980. Le taux d'intérêt qui était écrit sur cette obligation-là, c'était du 20 Parce que dans les années 80, par en à vos parents, les taux d'intérêt, c'était ça. Tout le monde, monde plaçait à 20 facilement. Donc, imaginez que ça existe encore, ça, un dinosaure comme ça en 2021, une obligation d'Hydro-Québec émise en, 80, en 1980 qui rapporte à son détenteur du 20 Imaginez que j'ai ça dans les mains et que je suis prêt à vous vendre ça. Alors que les taux du marché en ce moment sont à 1-2 à peu près. Ça vaut une fortune, une obligation qui rapporte autant. Donc là, je vais la vendre à prime, mon obligation. Donc je vais, possiblement, que je vais vous dire qui la veut. Là, il intelligent, Jérémy. Il va dire Moi, je la veux, je te donne 15 100. Je te donne 15 100. Non. Toi, 15 200. Non. Toi, je vais faire monter les enchères sur le marché, ça va monter. Puis quelqu'un va finalement me l'acheter pas mal plus cher que 15 000. Le pari de cette personne-là, cest de dire pendant le temps où je détiens l'obligation, je fais un super rendement d'intérêt, mais je suis conscient que je vais perdre un peu à l'échéance parce que je vais récupérer seulement 15 000. Donc, c'est le contraire. On, a une achat... On peut acheter aussi des obligations à prime ou à escompte. Donc, voilà pour la petite histoire. On a ça dans le volume. Là. Je ne vous le montre pas dans le volume. C'est… Ça ne mérite pas. OK, des options. Je vous parlais tout à l'heure des transactions sur options. Je vous disais que quand on achète des options qui nous donnent le droit d'acheter quelque chose, il y a trois finalités possibles. Vous vous rappelez? C'est quoi la fin? Donc, il y a trois fins, il a trois fins possibles à cette histoire-là. Donc, elle, elle a fait quoi avec ses options? Est Ce que vous en... Elle les a vendues. Hein? Donc, une... Donc, les options qu'elle a achetées, elle en a acheté 15 000. Donc, si je calcule ici mon PBR, pour mes 15 000 options, puis que je divise par 12, je fais fois, je divise par 15 000 fois 12, ça va me donner mon ici mon PBA pour mes 12 000 options que j'ai vendues. Donc, ça, donc on a un calcul de gain. Donc je vous rappelle que Disons que ça c'est une option, c'est une option. Quand je l'achète, je peux faire trois choses avec. Je peux la revendre, mais j'aurais pu aussi l'exercer et acheter des actions. Admettons que c'est sur des une option d'achat qui permet d'acheter des iPhones. Donc, ça me donne, permet d'acheter un iPhone bah, pas trop cher. Je peux l'exercer puis m'acheter un iPhone. Mais ce n'est pas ça qu'elle a fait. Elle, elle a décidé de le revendre. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a un calcul de gain capital qui lui donne euh, ces résultats-là. Il faut juste faire attention ici pour faire calculer vraiment le PBA moyen, dans le sens qu'elle n'a pas vendu toutes ses options. Donc, seulement 12 000. Je vais aller vous montrer les autres finalités dans le livre. Est-ce qu'elle aurait pu faire d'autres choses avec ses options? Donc, si je vous montre ça dans le volume, je ne suis pas à la bonne place, pardon. Donc, c'est une des particularités qu'on a dans notre. aujourd'hui, ici. Transaction sur des options. Donc, trois finalités, vendre euh, ou arriver à expiration, ou plutôt exercer l'option. Donc, euh, je vais juste vous montrer avec des chiffres, c'est plus facile. Donc, tout ça, euh, tout ça est écrit là, dans, dans le volume. Regardez, on a une personne qui achète des options 400 Elle achète vraiment, le, comme Mme Jacques a fait, des options pour 400 L'option, si elle, la personne le souhaite, elle peut s'en servir pour acheter des actions ordinaires, de 100 actions ordinaires à euh, 30 l'action, donc 3 000 au total. Et on apprend que les options arrivent à échéance le 1er juillet. Les trois finalités possibles sont là, A, B ou C. Je vais commencer par la plus facile, la même que Mme Jacques. Okay? Donc, Mme Jacques, elle a ses options qu'elle a, qu a eues, elle a décidé de ne pas les exercer, elle a décidé de ne pas les garder jusqu'à expiration. elle a décidé de les revendre. Donc, si tu revends tes options, comme pour Mme Jacques, il va y avoir un calcul de gain capital qui va devoir être fait. Donc, regardez ici, ça c'est la troisième finalité. Donc, si je vends des options 450 que je les avais payées 400 bien, bien sûr, je vais avoir un petit gain de capital, un, exactement comme Mme Jacques l'a vécu. Donc, ça, c'est la, la finalité ici où je vends mes options. Autre finalité possible, je pourrais dire cette option-là que j'ai d'acheter, ça, j'ai payé ça 400 Avec ça, j'ai le privilège, je ne suis pas obligé. De m'acheter des actions pour 3 000 Donc, admettons que je l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe financièrement? Donc, j'ai des options. Vous m'écoutez, hein, vous deux? Vous m'écoutez? J'ai des options. Je dois, je dois, je dois prendre 3 000 dans, dans mes poches et je vais m'acheter des actions. Le lendemain, je n'ai plus d'options. Ils, sont, ils, sont, ils ont disparu, ils ont été exercés. Je suis maintenant propriétaire d'actions. Combien j'ai payé ces actions là? Vous comprenez que j'ai fait deux décaissements, hein? j'ai dû sortir deux fois de l'argent pour m'acheter ces actions là en finalité. J'ai dû sortir 400 dollars pour acheter ça, les options, puis j'ai dû ressortir un autre 3000 dollars après pour m'acheter les actions. Donc on va coller les deux, le 400 dollars que j'avais payé originalement pour mes options. Plus le 3 000 dollars que j'ai dû repayer encore une deuxième fois pour avoir les actions, les deux ensemble, ça devient le PBR de mes actions. Donc ces actions-là ont un PBR de 3 400, la somme de mes deux déboursés. Ben, imaginez donc, euh, imaginez que ces actions-là, donc mon ici là, mes fameuses euh, actions, ils ont un PBR de 3 400. C'est-à-dire ce qu'on vient de dire là, mon 400 dollars que j'ai payé pour mon option. Plus mon 3 000 dollars que j'ai payé pour acheter les actions. Les deux se fusionnent et deviennent le PBR de mes actions. Ces actions-là, un mois plus tard, je les revends. Je les revends 3 500. Donc, je vais faire un gain capital de 100 dollars. Tout le monde le voit. Troisième finalité possible. Ça, je le vends pas. Ça. Je décide de ne pas l'exercer et ça ne me tente pas de sortir 3000 pour m'acheter des actions. Parce que le prix de l'action, il a chuté puis je serais bien niaiseux. Je, 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 je me suis trompé dans mon pari. Je pensais que le prix de l'action allait monter, il a baissé. Le, au marché, cette action-là se transige à 28. Moi, j'ai un bout de papier qui dit Hé hey, Nicolas, tu peux te les acheter à 30. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Le marché est rendu à 28. Si j'en veux des actions, je vais aller les acheter à 28 sur le marché. N'importe qui dans la classe peut les acheter à 28 sur le marché. Donc, mon option à vaut plus rien. J'ai pris un pari, j'ai perdu. Donc, quand même, je ne l'exercerai pas. Je ne peux même pas la vendre à personne. Personne ne va vouloir m'acheter ça. Donc, je la garde jusqu'à échéance. Quand on la garde jusqu'à échéance, c'est comme si on la vendait pour zéro. Donc, troisième finalité, si tu gardes ton option jusqu'à échéance, elle va mourir dans tes mains. Donc, produit de disposition de zéro, tu l'avais payé 400. Donc, tu vas faire une perte en capital de 400 Ça va pour ça, les options? Excellent. Dernière transaction nous concernant, on avait la transaction sur Lazy Boy qui nous donnait une perte de 5109. On avait beaucoup de choses là-dedans. Donc, d'une part, il fallait convertir toutes les transactions qui ont eu lieu. Ça, c'est une transaction que j'ai faite en argent américain. Les e c'est une compagnie qui se transige à la bourse euh, aux États-Unis. Donc, j'ai dû me transiger, acheter et vendre en dollars américains. Donc, comme le livre l'indique, vous l'avez possiblement deviné, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut convertir mes, 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 mes achats et mes ventes au taux de conversion en vigueur la journée de la transaction. Donc, si j'achète des biens, je n'ai pas les dates là haut, ici. Si j'achète des actions le 13 mars, je dois aller chercher mon taux de conversion le 13 mars, puis convertir ça en dollars canadiens. Si je fais un autre achat le 8 février, je vais aller chercher le taux de conversion cette journée-là, et ainsi de suite. Même chose pour ma vente. Ma vente, je l'ai faite le 25 mai. Le 25 mai, je dois aller chercher le taux de conversion le 25 mai. Donc, on convertit à chaque jour où on fait une opération dans une devise dans une devise autre que canadienne. Autre chose que je veux vous montrer. Des actions de Lazy Boy, j'en ai 16 000 dans mon portefeuille. Concrètement, je les ai achetées à trois prix différents, à trois moments différents. Une certaine, par, une certaine partie de mes options, je les ai payées euh, 4 205 US. Une autre, un autre bloc, je les ai payées 4 600 US. Puis un autre bloc, je les ai payées 28 600 US. Donc, mes 16 000 actions, ils n'ont pas toutes le même prix d'achat. Ils ont trois prix d'achat différents. Et moi, aujourd'hui, je n'en vends pas 16 000, j'en vends 12 000. Lesquelles je vends? C'est important qu'on qu détermine ça, parce qu'elles n'ont pas toutes le même coûtant. Donc, parmi les 16 000 actions que je détiens, j'en vends 12. Lesquelles? Les 12 000 premières, comme votre collègue. Euh, Rappelle-moi ton prénom? Tu as fait ça Intuitivement, c'est une bonne idée. Ça, pourquoi pas? Que, comme, comme dans le frigidaire, hein, on sort le, le, plus vieux youg, le plus vieux yogourt en premier, puis on garde le plus neuf pour, la, pour plus tard. Donc, euh, ça aurait pu être ça aussi. Mais donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est moi qui choisis? Est-ce que je peux dire j'aimerais ça, vendre celle-là, vendre celle-là, mais pas celle-là? Donc, est-ce que c'est moi qui choisis? Est-ce que c'est les plus vieilles en premier? Non, ni un ni l'autre. C'est une moyenne. Il faut que tu fasses une moyenne de toutes. Le, un coût moyen finalement pour toutes tes actions et tu vas utiliser ce coût moyen-là pour chacune de tes ventes. Donc, dans le fond ici, là, si j'ai 49 000 de coûts pour 16 000 actions, ça veut dire que j'ai un coût moyen de 3,11 par action. Pour vrai, j'en ai acheté aucune à 3,11, c'est une moyenne. J'en ai acheté certaines plus chères, d'autres moins chères, j'en ai acheté aucune à 3,11, mais on fait semblant que je les ai toutes achetées à 3,11. Donc, donc, finalement, on va faire une vente, nous, ici, de 12 000 actions à. Euh, pardon, ce n'était pas 12, hein, c'est 10 qu'on vend. Donc, je vais faire 10 000 actions à 3, 3, 100, 3 000, 3 pièces et 11 l'action. C'est ce qui va me faire un PBR de euh, 3 euh, 3108 ici, là, parce que je pas arrondi, mais bref. C'est bon? Donc, juste que vous compreniez que la notion de PBR moyen, quand on a plusieurs actions achetées à des prix différents, on fait une moyenne, puis on doit toujours travailler avec cette moyenne-là. Est-ce euh, qu'il y a des questions sur cette transaction-là? On, on se rappelle qu'on a, on a nos 45 ici pour chaque achat, mon 45 lié à la vente, comme on expliquait tout à l'heure, qui va aussi influencer le calcul. Pas de, oui? Euh, non? Bon, mais tant mieux, s'il n'y a pas de questions. Dernière euh, particularité, dernière chose qu'il fallait travailler, la, tra la vente du chalet pour lequel la réponse était euh, zéro. Je, je vous explique ça à l'instant. Donc, si je vais vous montrer dans le volume, c'est la. Donc, 4.1, l'exemption pour la résidence principale. OK. D'entrée de jeu, ce, ce sujet-là peut être très simple si on ne se retrouve pas en situation de double propriété. Ce que j'appelle la double propriété, c'est le fait, pour une année donnée, de détenir plus qu'une maison à la fois. Donc, si... Pendant un certain nombre d'années, je détiens deux résidences, comme c'est le cas pour Mme Jacques qui a détenu un chalet et une maison pendant 4-5 ans, là, ensemble. Donc, elle, elle avait deux maisons à la fois. Mais si ce n'est que. Mais le commun des mortels, ce n'est pas ça qui lui arrive. Le commun des mortels, il y a une maison à la fois. Je ne sais pas ce que Je sais, si sais qu'il y a des gens qui ont des chalets, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas aussi. Donc, pour les gens qui ont une seule maison à la fois, là, il n'y a aucune analyse à faire. La, la règle est très simple, c'est qu'on va toujours, toujours exempter ton gain capital lorsque tu vends tes maisons. Donc, si tu met, détiens une maison pendant quatre ans avec ta famille, tu avances, tu fais un gain totalement exempté. Tu t'achètes une deuxième maison, tu habites là cinq ans, tu avances, tu fais un profit totalement exempté. Tu achètes une troisième maison, sept ans après, tu avances, totalement exempté, et ainsi de suite. Parce que tu n'as jamais été en double propriété. Tu as eu une maison à la fois, une après l'autre. Jamais tu as eu deux maisons en même temps. Donc, il n'y a aucun problème pour les familles qui ne sont pas en double détention. Pour ceux qui le sont, là, effectivement, il y a un choix à faire. Il faut que, comme, comme pour Mme Jacques, elle choisisse, cette personne-là, laquelle de ces deux résidences-là elle veut désigner comme étant sa résidence principale. Et pour cette maison-là, on exentera le gain de capital, effectivement, mais c'est sûr et certain que pour l'autre résidence, lorsqu'elle sera vendue, il n'y en aura plus d'exemption pour résidence principale parce qu'on va on aura fait le choix de l'appliquer sur une des deux résidences. Pour faire le bon choix, il faut faire une petite analyse. Okay? C'est ce que le livre vous indique, vous, indique, vous indique que, pardon. Avant toute chose, pour faire le bon choix, il faut calculer un indice. Un indice qu'on appelle le gain en capital par année de détention. Donc, allez calculer cet indice-là pour vos deux résidences. Et, le, celui qui, et, 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 en, et en conclusion, la résidence qui aura l'indice le plus élevé, ça vous dicte que c'est cette résidence-là que vous devriez prioriser. Et que vous devriez exempter d'impôts. Donc, si j'ai fait ce calcul-là pour mes, les deux résidences de Mme Jacques, donc Mme Jacques, elle a un chalet euh, qu'elle qu va vendre 145 000, qu'elle avait payé 85 000, donc elle, elle ferait un gain de 60 000 sur le chalet. Ce chalet-là, elle l'a détenu pendant cinq ans. Elle l'a acheté, si je ne me trompe pas, en 2017, puis elle va le vendre en 2021. Donc, je, compre, je compte et l'année de la vente et l'année de l'achat. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour le chalet, l'indice que je cherche est de 12 000. 12 000 de gains par année de détention. On, fait, on calcule le même indice pour la, la maison. La maison, elle pense qu'elle pourrait la vendre 205 000, elle l'a acheté 195 000. Et ça fait quatre ans qu'elle la détient. Donc, l'indice pour la maison donne 2 450 C'est beaucoup plus bas. Donc, d'entrée de jeu, cette analyse-là me dicte que, compte tenu que l'indice est beaucoup plus élevé sur le chalet, au niveau fiscal, ça va être beaucoup plus. Être, beaucoup, je vais sauver beaucoup plus d'impôts ou beaucoup plus de gains capital en appliquant l'exemption ici plutôt qu'en l'appliquant ici. Donc, à partir de ce constat-là, on va aller voir la technicalité, mais la conclusion, elle est évidente. Madame, Ch Madame Jacques ne va payer aucun gain capital, aucun impôt sur la vente de son chalet. Et je vous jure qu'elle va payer de l'impôt sur la vente de sa maison. Qu'elle ne soit pas surprise. Dites-lui, là. Dites-lui, là. Tantôt, quand tu vas vendre ta maison, tu comprends qu'il va avoir du gain capital. Ne sois pas surprise, c'est sûr. Mais c'est quand même le meilleur choix. Faire l'inverse, ça serait pire. Payer de l'impôt tout de suite sur le chalet pour, pour pouvoir appliquer l'exemption ici quand elle vendra sa maison, avec les chiffres qu'on a là, ça sera encore plus catastrophique. On est mieux, quand même mieux de faire. Le, notre indice nous dit que c'est plus payant de placer l'exemption ici que de la placer ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller voir le calcul technique de l'exemption sur la vente du chalet. Donc, le chalet, je fais un gain capital de 60 000 et l'exemption donne aussi 60 000. Comment on calcule l'exemption? Je vais vous, vous montrer dans le volume. Donc, le calcul de l'exemption, c'est on prend le gain capital. Sur la vente du, euh, du chalet, dans notre cas? C'est combien ça? Rien, poche C'est combien ça? Le gain capital sur la vente du chalet? Hein? Ouais, 60 000. 5,50. Ici, fois une fraction. Au dénominateur, le nombre d'années où j'ai détenu le chalet, 5 ans. Tout le monde, tout le monde est d'accord avec ça? Le chalet, je l'ai détenu pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Au numérateur, il y a une année gratuite. 1 plus le nombre d'années où tu désignes la, le chalet comme étant ta résidence principale. Techniquement, la désignation, on la fait. Année par année. D'accord? Donc, c'est comme si pour les cinq années où je détiens le, ici le chalet, je pose, pose la question cinq fois à Madame Jacques. En 2017, laquelle est ta résidence principale entre les deux? Ben, bon, selon mes conseils, moi je lui dis réponds chalet. Elle va me dire c'est le chalet. Parfait. Je te pose la même question ici. En 2018, laquelle est ta résidence principale, chalet ou maison? Je réponds chalet. Parfait. Je te pose la même question ici, Chalet. Donc, si les cinq fois, elle me disait Chalet, comme je lui conseille, admettons. Donc, ça va donner ici le nombre d'années pour lesquelles elle désigne le Chalet, ça me donnerait cinq. Ça, ça va me donner un numérateur de six. C'est trop. Je n'ai pas besoin d'avoir un numérateur de six. Il y a une année gratuite dans, dans la formule. C'est ça qui est merveilleux. Donc, je pas besoin, elle n'a pas besoin de me désigner la, le, le, le Chalet pour les cinq années. Tout le monde voit bien que quatre suffit. Donc, finalement, je vais lui dire fais juste désigner le chalet quatre années comme étant ta résidence principale. Donc, peut-être pas prendre celle-là ici. Ici, tu pourrais dire que c'est ta maison, ta résidence principale. Quatre, ans de, quatre années de désignation suffisent pour s'exenter au complet, compte tenu qu'on a une année gratuite dans la formule. Donc, ça va me donner. Une exemption de 5 sur 5, 60 000, donc une exemption complète ici. Donc, le, ici, j'ai fait 60 000 fois 5 ans au dénominateur et au numérateur, une année gratuite plus mes quatre années de détention. Donc, je me suis totalement exempté. Qu'est-ce qui va arriver plus tard à la vente de la maison? On ne le sait pas quand est-ce qu'elle va le vendre, la maison, mais qu'est-ce qui va arriver? Que, disons elle, donc, on continue là, un peu, peu l'histoire. Quand elle va vendre la ma, ma maison dans quelques années et qu'elle va, va voir prendre l'exemption sur sa maison, quand elle va, faire, quand elle va calculer la, la même formule qu'on vient d'appliquer là, mais pour la maison, en 2017, est-ce qu'elle va pouvoir dire, je, je désigne ma maison comme étant ma résidence principale Ben non, tu as dit tantôt que c'est le chalet. 2018, même chose, elle ne pourra pas dire que c'est la maison. Elle a dit que c'était son chalet. Pour 2019, elle ne pourra pas. 2020, elle ne pourra pas. 2021, oui, elle va pouvoir. Parce que rappelez-vous qu'on n'a pas pris 2021, on n'en avait pas besoin. Donc, ça laisse l'année 2021 disponible pour désigner la maison comme étant la résidence principale. La prochaine année, aussi, on n'a plus de chalet. Donc, peut-être qu'elle va se ramasser avec un numérateur de 1, 2, 3, 4. Sur 8-9 ans de détention. Donc, il va rester quand même une petite exemption possible pour elle, mais sûrement pas complète, euh, comme c'est le cas pour le chalet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vais vous montrer dans le volume vite, vite. Là. Je ne referai pas tant l'exemple au complet, mais. Non, je pense que je n'ai pas, pas grand-chose à vous dire de plus. On a des chiffres différents là, mais... Dans les exemples. Je vais juste montrer les trois conclusions dans l'exemple du volume. Je ne vais pas vous montrer les chiffres parce que ça va juste être long pour rien. On, on, on l'a bien décortiqué, la formule. Mais regardez, est-ce que ça veut vous illustrer? C'est une vente de... C'est deux maisons, c'est juste qu'il y a des chiffres différents. Et le fameux indice dans le deuxième exemple là, me, me dicte, encore une fois, de, que j'aurais avantage à prioriser le chalet. Donc, euh, sur le chalet, l'indice est plus élevé que sur la maison. Ça ressemble à Mme Jacques ici. Okay? Mais regardez, premier scénario, quelqu'un qui ne fait pas attention, okay? Puis qui ne calcule même pas les indices. Puis qui se dit Moi, je vends à ma maison. Je qui n'est pas, pas du tout la, celle qui est optimale à, 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 à exempter. Mais tu ne sais, te soucies même pas de rien, tu ne calcules pas tes indices, tu vends ta maison, tu prends l'exemption, puis tant pis pour le chalet. Bien, si tu penses comme ça ou si tu es mal consulté, ça va donner un gain capital total sur tes deux maisons de 13 500. Ça, c'est le pire scénario à ne pas faire. Si tu améliores un peu le scénario, au moins, calcule tes indices, puis tes indices te disent que tu aurais avantage à préuser le chalet ben, fais-le. Donc, c'est ce qu'on fait dans le deuxième exemple, puis ça donne 12 000. Donc, c'est inversé. Donc, sur, sur la maison, tantôt, c'était le... Voyez oui, ici. Donc, euh... Donc, c'est 12 000. Mais ce n'est pas encore optimal parce que, regardez ce que j'ai fait dans ma formule. J'ai comme gaspillé une année ici. J'ai. Euh, euh, j'ai même 27 ans ici. Pourquoi c'est. Moi, je suis de voir, euh, c'était quoi mon idée? OK, ça ici, c'est qu'on désigne la résidence pour les 28 années. Donc, ce même pas la bonne, on désigne même pas la bonne résidence en premier. Puis en plus, regardez, on gaspille une année ici. 1 plus 28, ça fait 29 au dénominateur. Ça ne donne rien. C'est sûr que ça donne un scénario pas très, très intéressant. L'autre scénario, c'est au moins on ne gaspille pas une année. Donc, on fait encore le, le, le mauvais choix de maison, mais au moins ici, on va prendre 27 ans. Ça va en laisser une de plus pour le chalet. Donc, juste améliorer ça, ça donne 12 000. Mais le meilleur scénario, il donne 8 000. C'est le contraire. C'est de suivre de, de calculer les indices. L'indice me dit que je devrais prioriser le chalet. Et je, je, je priorise le chalet pour ensuite payer l'impôt sur la résidence principale. Au combiné, c'est beaucoup meilleur. Donc, juste pour vous montrer que si on ne fait pas attention à ça, on paye trop d'impôts finalement ou on a trop de gains capital si on ne fait pas le travail d'optimisation. C'est bon? Bon, bien voilà pour le problème. On a fait le tour. On a traité aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de thèmes de la semaine. Il va m'en rester quelques-uns à vous montrer. Ce ne sera pas bien long. Je prends les 15 minutes qui me restent parce qu'on a le défi qui s'en vient tout de suite après. Mais pour le, pour le problème, il n'y avait rien d'autre. Alors, puisqu'il ne semble pas vous, vous rester des questions, je vais juste terminer les sujets de la journée ou de la semaine. Laissez-moi juste aller repartir du départ. Là. Ah, pas départ, départ. Donc, ça, on en a parlé, ça, on en a parlé. La fameuse formule, ici, on l'a met en pratique beaucoup aujourd'hui. Les ajouts au PBR, vous regarderez ça par vous-même. Les retranchements, on en a vu déjà quelques-unes. Les fameuses transactions sur options, je vous disais qu'une option, des, si tu l'achètes, tu, tu peux la transiger, par exemple, une option, par exemple, acheter une option moins chère que sa valeur nominale, c'est ce qu'on appelle à escompte, ou plus chère que sa valeur nominale, c'est ce qu'on appelle à prime, comme Madame. Euh, comme Mme Jacques le fait. Donc, ça a un impact sur le calcul du gain capital. Les biens identiques, on l'a pratiqué. Donc, l'idée tout à l'heure qu'on avait 16 000 actions de Lazy Boy achetées à trois prix différents, il faut faire une moyenne. Donc, c'est la fameuse notion de biens identiques. Provision pour gain capital, on l'a mis en pratique en masse. Les situations particulières, la résidence principale, on l'a fait. Changement d'usage, on n'en a pas vu aujourd'hui. Je vais te vous montrer juste un petit exemple. Je vous l'ai parlé tout à l'heure du fait donc, une personne qui a un chalet, d'accord, le chalet, il l'utilise à des fins personnelles. Enfin, donc, il l'achète 55 000. Il l'a toujours utilisé avec sa, avec sa famille. Donc, s'il vendait le chalet, on peut penser même qu'il pourrait l'exenter comme résidence principale, tellement parce qu'il l'a habité à chaque année. Mais là, il arrive quelque chose cette année, il ne vend pas le chalet il décide de le louer. Il y a bien des gens qui décident de faire ça. Donc, le, 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 donc finalement, le chalet, il change d'usage. C'était un bien à usage personnel qui est devenu un bien générateur de revenus. Regardez ici. Donc, initialement, c'était un bien euh, mauve à usage personnel. Et, et après certain, cette année, en 2021, où, il change de boîte. Il devient commercial. Il est, il est loué. Donc, en fiscalité. Quand une immobilisation change d'usage, c'est comme si tu l'avais vendu. Donc, dans ton rapport d'impôt de l'année 2021, tu dois faire semblant d'avoir vendu le chalet de toi à toi. Donc, c'est comme si tu le vendais à la juste valeur marchande, puis tu le rachetais tout de suite après à la juste valeur marchande. Donc, ça peut déclencher des gains capital importants s'il y a une grosse différence entre le coût d'achat et la fameuse valeur marchande. Comme de fait, ce n'est pas surprenant, hein, les chalets prennent de la valeur. On peut sûrement s'attendre que si ce chalet-là était acheté à 55 000 à l'époque, aujourd'hui, il vaut 145 000. Donc, voici ce qui va se passer dans mon rapport d'impôt de cette année. Je fais semblant de vendre mon chalet à 145 000. J'avais un coût de 55. Donc, quand même, un gain capital fort important à déclarer cette année. Si je veux, je peux prendre l'exemption pour résidence principale à l'encontre. Je peux bien, je peux le faire, mais on comprend que si je fais ce choix-là, il, a, il va me rester moins d'exemption pour l'autre maison que peut-être que je détiens. Et tout de suite après, on fait semblant que je viens d'acheter un autre chalet locatif cette fois-ci. Donc, c'est comme si on, on fait semblant que j'ai vendu mon chalet personnel et la seconde d'après, on fait semblant que je viens de m'acheter un nouveau chalet commercial. Donc là, je suis maintenant propriétaire d'une immobilisation jaune-orange. J'aurais peut-être dû pas le mettre de... J'aurais peut-être dû mettre... Ici. Ici, pour avoir de la Donc, c'est comme si j'avais vendu un chalet personnel. J'assume les conséquences et la seconde d'après, je m'achète un chalet commercial. Donc, je suis maintenant propriétaire d'un chalet commercial que j'ai payé 145 000 aux fins fiscales. Et on verra plus tard qu'est-ce que je vais faire avec. Donc, c'est un changement d'usage. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Hein? Les gens qui transforment des biens personnels en, en, en locatifs, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ce n'est pas sûr qu'ils sont tous au courant. Puis ils ont, Malheureusement, il y a sûrement des surprises quand leur comptable leur dit à la fin de l'année, quand on fait le rapport d'impôt, que c'est comme s'ils l'avaient vendu. Ça peut, ça peut avoir des conséquences euh, importantes. Transactions sur option, on les a vues avec le, notre, nos trois fameuses finalités. Vendre l'option, arriver à expiration avec l'option ou l'exercer. 4-4, on ne la voyait pas. 4-5, on va la voir la semaine prochaine. 4-6 aussi. Transaction de devis étrangères, on l'a pratiqué euh, aujourd'hui. Vous pouvez aller voir les exemples si vous voulez, là. Mais euh, on, on l'a vécu avec euh, les actions de Lazy Boy. Je vais juste vous montrer un petit. Euh, regardez ici. Comme j'en je je, parlais un petit peu tout à l'heure. On a quelqu'un qui achète des actions US 2000, puis qui revend un mois après 2000 US. Donc, on pourrait se dire, ben, je ne me suis pas enrichi, je n'aurai pas de gains ou de pertes en capital, mais pourtant, il y a 40, il y a 40 pièces de gains en capital ici. Hein? Donc, dans cette opération-là, oui, tu t'es enrichi parce que quand tu as fait ton achat, ça t'a coûté 2680 en dollars canadiens, puis quand tu as fait ta vente, tu as récupéré 2720. Donc, tu as fait 40 dollars de profit. Non, pas parce que l'action a pris de la valeur. L'action n'a pas pris de valeur. Juste le taux de change. Juste le taux de change. La variation de taux de change entre le 10 avril et le 10 mai qui a été favorable pour toi. Juste ça, tu as enrichi de 40 Donc, ça, ça va aussi, on, 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 on le constate bien dans les résultats. Regardez l'autre exemple, comment c'est drôle? La même chose. Je vends un bloc 2000 pièces US et je, je l'achète 2000 US et je le revends 2100. Donc là mon bloc d'actions que j'ai acheté a pris de la valeur. Et pourtant, j'ai une perte en capital. Comment c'est possible acheter des actions 2000 pièces US, les revendre 2100 et malgré tout déclarer une perte en capital C'est le contraire. Hein? Le, le, la variation de devise a été très défavorable pour moi. Donc, oui, je me suis enrichi un petit peu du fait que les actions aient pris de la valeur, mais c'est compensé par un énorme appauvrissement sur ma devise. La variation de devise entre ces deux dates-là a tellement été mauvaise pour moi que ça m'a fait perdre plus, même, que le, le, le profit que je faisais sur, la, sur le bien que j'ai transigé. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, je me suis un peu enrichi sur, la transa, sur la, le bloc d'action, mais je me suis beaucoup appauvri sur la variation de devise. Donc, ce n'est pas dur à calculer, juste, mais c'est juste amusant des fois de, de faire ces constats-là, de comprendre là, que ça, ça peut être surprenant. Autrement dit, tu peux te dire non, comment, ça peut, comment ça se peut Mais ben oui, ça se peut si la, la, la variation de devise a été très défavorable pour toi. Ben voilà, je vais arrêter ça là. C'était pas mal euh, la fin.